l'accessibilité, c'est l'intégration. Donc c'est vrai qu'une personne à mobilité réduite, que ce soit une maman avec une poussette, une personne en fauteuil roulant, une personne âgée avec une canne, ne peut pas se sentir intégrée si elle ne peut pas faire ses courses, être dans un hôtel comme elle veut. Et donc c'est vrai que ce guide de j'accède.com va permettre à tout le monde de se sentir intégré dans la cité, et c'est quand même le plus important. Pour les gens qui peuvent pas et qui ont du mal à se déplacer, c'est bien quand même d'avoir des adresses, aussi le restaurant et tout ça, pour sortir, enfin. On a l'occasion de réaliser des expériences ensemble, valides et non valides. C'est une source d'enrichissement mutuel, d'une part, et surtout, ça démystifie le handicap. On est tous concernés, en passant par les personnes qui ont un handicap moteur, les personnes âgées, les personnes... qui se déplacent en poussette et continuer à avancer pour que la cité soit accessible à tous. Il faut continuer dans ce sens-là, faire toutes les villes de France et sensibiliser partout parce que c'est mieux pour tout le monde. Tout le monde s'y retrouve, même pour les personnes âgées. C'est bien que les gens proposent 4 heures de leur temps libre pour une association quelle qu'elle soit. Et j'ai rencontré des gens dans mon groupe très sympas. On était une petite équipe et on a bien pu partager sur cette demi-journée. Et que le regard n'est pas du tout le même entre quelqu'un à mobilité réduite et quelqu'un qui est mobile comme nous. 5 minutes de remplir une fiche, 5 minutes dans une vie, qu'est-ce que c'est si on permet à des gens de sortir de chez eux, si on permet de croiser d'autres personnes, ça permet de sensibiliser les commerçants. Je vais essayer de continuer et de militer pour que tout se passe bien pour ajaccède.com. La citoyenneté, c'est ça, hein, c'est d'être comme tout le monde, hein, de vivre comme tout le monde. Rendre service et de prendre plaisir à rendre service. Et depuis aujourd'hui, j'adhère. Mais s'il y a des gens qui se disent j'ai envie d'aider des gens, je sais pas comment faire, qu'ils viennent pour aider cette association et voilà.